Bonjour et bienvenue à cette autre vidéo. Ici, je vais vous montrer comment comment recevoir automatiquement les offres de recrutement dans le confort de votre chambre. Donc, je vous présente l'outil Google Alert pour y accéder. Vous pouvez aller juste sur Google, vous tapez Google Alert, comme je suis en train de le faire. Vous cliquez dedans, vous arrivez. Voilà ça. C'est le lien de Google Alert. Vous devez avoir un compte Google, vraiment. Faut avoir un compte Google. Si vous avez plusieurs comptes Google comme moi, vous pouvez switcher là, comme ça aussi simplement. C'est facile, ce n'est pas dur. Quand vous êtes donc sur Google Alert, qu'est-ce que vous dites? Préparer une alerte. Par exemple, recherche d'emploi. Ou alors offre d'emploi. Ou alors emploi. Vous êtes dans quelle ville, par exemple? Si vous êtes dans la ville de Douala, Douala, offre d'emploi Douala, voilà. Vous pouvez ajouter d'autres options, hein, en français, en anglais, marche une fois par jour, ou alors chaque fois que ça se présente, voilà. Offre d'emploi Douala. Vous pouvez ajouter, par exemple, l'élément marketing. Vous créez là l'alerte offre d'emploi marketing. Voilà, offre, offre, emploi. Commercial. Voilà. Pour ceux qui veulent seulement travailler dans la ville de Douala. Vous pouvez ajouter d'autres options en français, automatique, ainsi de suite. C'est à vous de voir. Vous pouvez ajouter à envoyer. Si un truc est là, vous envoyez à quelqu'un. Voilà. Vos alertes sont là. Vous pouvez les modifier à tout moment comme vous voulez. Rien ne vous y oblige. Vous pouvez dire offre d'emploi pour ceux qui sont dans la région parisienne. Offre d'emploi. Offre d'emploi. Community manager. Community manager. Paris. Sur Paris. Vous allez voir, chaque fois, on va vous envoyer les offres d'emploi du community manager et elles vont arriver chaque jour. Vous voyez même déjà les options là. Voilà. Créer une alerte, votre alerte. Elle va être affichée là, je ne sais pas pourquoi ça veut prendre du temps. Voilà, elle est déjà là. Voilà, vous ajoutez une alerte, ainsi de suite, ainsi de suite. Quel qu'en soit le profil que vous avez, quel qu'en soit le type de profil que vous avez, si vous voulez recevoir les offres d'emploi, elles vont arriver automatiquement chaque matin. On peut configurer l'heure. Simplement, on peut dire, par exemple, elles arrivent chaque matin, par exemple, à 8 h du matin. Voilà, elles peuvent arriver, machin et autres. Une fois par semaine maintenant, je veux dire une fois par jour au max. Vous mettez l'heure par exemple à 7 h du matin de telle sorte que lorsque vous vous réveillez le matin, vous regardez rapidement les offres. Vous regardez rapidement les offres. J'essaie un peu de vous montrer là parce que je pense que j'avais configuré ça pour l'un de mes comptes là pour voir le comportement en préparant cette vidéo là. Bon, ce n'est pas la peine, vous allez voir, c'est automatique, c'est Google. Maintenant, dans chaque pays dans lequel vous êtes, il y a ce qu'on appelle les sites de référence, par exemple, pour ceux qui cherchent des emplois. En France, il y a Pôle emploi. Bref, en Côte d'Ivoire, il y a par exemple emploi.ci. Au Cameroun, il y a emploi. Emploi.cm. Voilà, il y a le Fonds national de l'emploi. N'hésitez pas à vous inscrire au sein des sites ou alors de ces institutions. C'est un plus. C'est un plus. Maintenant, il y a les réseaux sociaux comme LinkedIn. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons vu, par exemple, comment travailler son profil. Non. Oui, comment travailler son profil sur LinkedIn, mais aussi quels sont les types de publications, comment rendre votre profil impeccable sur les réseaux sociaux. En fait, lorsque vous arrivez sur LinkedIn, et vous tapez pas, vous devez entrer dans le groupe d'emploi. Vous tapez seulement sur la barre d'emploi. Si vous êtes dans la ville de Douala, comme moi,
emploi doit là. Voilà. Vous allez voir les offres d'emploi, en fait. Vous allez voir les offres d'emploi directes, directes dans la ville de Douala. Voilà, il faut juste être abonné, il faut juste venir sur LinkedIn, suivre par exemple les entreprises qui emploient, suivre par exemple les entreprises qui recrutent. Quand vous arrivez sur le profil LinkedIn, vraiment, vous suivez les publications des offres d'emploi trouvées par exemple et tout. Il faut entrer dans le groupe de recherche d'emploi LinkedIn Talent et tout. Bon, il y a certaines solutions qui sont payantes, mais bon, vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas forcément obligé. Mais vraiment, quand on dit emploi, doit aller chercher par exemple au niveau des entreprises, vous allez voir directement les entreprises peut-être qui recrutent sur Douala, voilà, par exemple, non, mettez-le au Cameroun. Vous pouvez créer les alertes aussi au Cameroun, comme vous êtes en train de faire. Ce qui fait que chaque fois que vous allez vous réveiller, vous allez trouver les alertes, par exemple, emploi. Les voilà, vous allez trouver les alertes d'emploi pour le cas du Cameroun. Il faut les suivre. Il faut suivre tous ces gens-là parce que ça va vous créer les alertes d'emploi et vous allez les recevoir chaque matin sur le lit. Hein, vraiment, quand vous recevez, quand il y a une entreprise poste une alerte, vous pouvez mettre par secteur d'activité. Vous pouvez ajouter, moi je suis dans le domaine du marketing, vous pouvez ajouter marketing. Par exemple, publicité, voilà. Vous pouvez ajouter, par exemple, Internet, recrutement, ainsi de suite. Vous ajoutez, voilà. Ainsi de suite, vous pouvez encore affiner pour ceux qui sont, par exemple, qui sélectionnent le type d'entreprise et tout. Voilà. Vous sélectionnez tous les types d'entreprises. Vous dites que, quelle qu'en soit l'entreprise qui poste, surtout ça, lorsque vous êtes junior, vraiment. Voilà. Quelle qu'en soit l'entreprise qui poste, vous venez là. Ainsi de suite, vous allez trouver. Chaque fois, chaque matin, vous aurez des offres de recrutement. Voilà. Maintenant, moi, je vous conseille, par exemple, lorsque vous êtes sur Google Alert, vraiment, et que vous êtes dans un pays comme le Cameroun, bref, il faut privilégier la mobilité. La mobilité, donc, ne vous limitez sûrement pas comme ça, comme j'ai mis Douala, faut mettre Yaoundé, les grandes villes. Pareil pour ceux qui sont dans d'autres pays, ne vous limitez pas seulement à vos villes de résidence. Voilà. Pareil sur Facebook, vous venez juste sur Facebook, vous cliquez offre d'emploi. Hein. Vous allez trouver les forums de recrutement, vous allez trouver, voilà, vous allez voir et tout. Il faut scruter de partout. Et entre-temps, tout compte fait, j'ai dit, c'est votre image qui va faire vous démarquer. Par exemple, lorsque vous allez trouver une offre d'emploi, je dis n'importe quoi au Cameroun, vous avez la possibilité de poster, de répondre directement. Mais bon, vous avez la possibilité de répondre directement, mais on va vous apprendre sur une autre vidéo comment répondre aux offres d'emploi. Donc, c'est comme ça que vous aurez des offres d'emploi de façon automatique. Voilà, j'ai parlé d'emploi.cm. Vous venez juste vous créer un compte. Voilà, ça c'est un site qui référence les chercheurs d'emploi. Vous venez vous créer un compte et chaque matin vous aurez des offres. Pareil, vous entrez dans les grosses entreprises, dans toutes les grandes entreprises communes dans lesquelles on a déjà vu comment le faire. Vous avez certainement des entreprises pour lesquelles vous voulez travailler. Vous pouvez vous inscrire à leur newsletter pour avoir toutes les informations sur leur publication d'offres d'emploi et tout ce qui va avec. Vous devez préparer tout ça. Voilà. Et chaque matin, vous aurez donc des offres d'emploi et c'est comme ça que vous allez répondre et tout. Maintenant, il y a autre chose, autre raison. Comme j'ai dit, lorsque vous avez tous vos documents, les sous, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous avez des gens parmi lesquels vous avez, avec lesquels vous avez étudié, qui sont dans les positions privilégiées? Est-ce que vous avez des gens de votre famille qui pourraient vous tenir la main? La situation de recherche d'emploi, c'est toute une stratégie. Mettez tout, mettez tout, mettez tout de votre côté. Ne vous laissez pas dire, par exemple, on n'a pas honte de chercher l'emploi. Voilà. Demandez aux gens de votre famille s'ils peuvent vous aider. Demandez aux gens de votre famille si leurs amis peuvent vous aider. Allez les voir, allez les secouer. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Allez demander, ils vont vous donner s'il y en a. Parce que l'emploi, c'est aussi le réseau et c'est connu dans tout le monde. Les grandes écoles de commerce, c'est comme ça, c'est le réseau. Les grandes écoles d'ingénierie, c'est comme ça, c'est le réseau. Si vous avez la chance d'arriver, trouver votre aîné académique quelque part, vous avez la chance qu'il vous recrute. Si vous, pareil, donc, demandez, demandez. Le réseau fait aussi partie de tout cela. Ok, merci. À la prochaine vidéo pour un autre sujet.